J'espère que ça va bien, guys! Je peux vous dire que cette semaine, on en a fait de la route, on en a vu des choses, on a découvert des belles places à tous les jours en direction pour Québec et sur la route dans la région autour de Québec. J'en ai profité pour prendre quelques pauses sur le chemin de la capitale. Je me suis arrêté au magnifique quai de Portneuf, où j'ai pu contempler le fleuve Saint-Laurent, les nuages qui se baladaient autour. J'ai arrêté à Cap-Santé, à l'église de Cap-Santé. Le lendemain, j'ai fait quelques arrêts en direction de la Beauce, jusqu'à Saint-Georges. On s'est arrêté à Beauceville, à Saint-Prosper, à Saint-Euphrem. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Une belle petite soirée à Cap-Rouge, une découverte magnifique, une surprise magnifique. Cap-Rouge avec son pont ferroviaire, ses petits restaurants, sa petite promenade sur le littoral. Et là, ben, on est vendredi soir. Je passe la soirée à Pont-Rouge où je me promène depuis quoi? Une heure à peu près? Je me suis promené, je longe la rivière, j'ai vu le beau petit pont avec les pylônes de roche, les rapides qui descendent. Et c'est toutes des places où je m'étais jamais arrêté. On s'entend, là, c'est pas des gros arrêts, c'est des petits 15, 20 minutes, 30 minutes, peut-être une heure, gros max. Vraiment pas long, mais il y a tellement plein de petits bijoux comme ça. Je passe la soirée ici dans un mini-motel. Un mini-motel pas d'air climatisé, situé sur le bord d'un champ de maïs. Dans le fond, je voulais juste être proche de Saint-Raymond-de-Portneuf. On va dans la vallée du Bras-du-Nord demain. Mais comme j'ai fait beaucoup de vidéos cette semaine, ben je fais un petit on part travel à part avec ces petits clips-là. Puis ben, j'espère que ça va vous donner des bonnes idées, des belles places où arrêter. Là, en fait, je longe la promenade Jacques-Cartier. Puis dans beaucoup de villages, dans beaucoup de petites villes, il y a des choses comme ça, avec des panneaux d'interprétation. On peut en apprendre sur la place, sur l'origine des noms, sur l'histoire du moulin, du pont, et vraiment plein de choses. C'est ça, partir à l'aventure. J'étais jamais passé ici, et ben, je m'amuse et je vous montre ça. Puis après ça, ben, si vous voulez suivre l'aventure, ben, vous checkerez le petit lien qui mène à un Québec rando dans la vallée du Bras-du-Nord. Hey, ça en vient long, ça. La pandémie. C'est la pandémie. Même les cheveux s'en viennent long. Oh, je vais garder ça. Ciao, guys. Quelle belle semaine! Ouais, vraiment une belle semaine. Remplie de belles marches, de belles promenades et de beaux environnements. Différents de mon quotidien. Et ça, ben, c'est toujours très agréable et ben, c'est juste vraiment cool. Et là, ben, c'est vendredi. On se retrouve à Pont-Rouge, une petite ville de moins de 10 000 habitants, située dans la MRC de Portneuf et pas trop loin de la belle ville de Québec. Les moyens de transport ont considérablement influencé le développement de la paroisse, notamment ses deux ponts et la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique en 1874. C'était aussi une place de passage très importante. Oui, un point de passage très important même, parce que le pont Royal, aujourd'hui appelé le pont Derry, ben il a longtemps facilité le transport des lourdes charges et du courrier entre Québec et Montréal. Alors moi, ben, de mon côté, je me promène et je contemple tout ça, mes amis. Checkez-moi ça, le spot! Checkez-moi ça, le spot! J'ai l'impression d'être sur le bord de la Colorado River, dans un canyon escarpé. Même chose! Même chose! Même impression! Même spectacularité! Non, c'est beau! C'est très beau, mais faut faire attention. C'est glissant. Il y a un autre qui vient de tomber juste à côté. Puis ça n'en prend pas gros pour tomber directement là. Donc, on continue.
Man, c'est vraiment trippant. La ville est traversée par la rivière Jacques-Cartier. Et c'est ce qui fait tout son charme. Oui, ça fait tout son charme parce qu'on peut se promener le long de la rivière, autant proche des rues principales où on retrouve le fameux pont ferroviaire que dans les boisés environnants où c'est calme, paisible et juste super agréable. Et rendu au bout de ma promenade, ben, je me retrouve dans un mini canyon. Il y a des chutes, il y a des cascades, il y a un barrage et il y a des roches partout et des parois abruptes quand même assez impressionnantes. Je trouve que c'est une manière parfaite de terminer ma belle semaine. Moi, ça se finit en beauté. On a vu plein de choses, on a visité plusieurs endroits, on s'est vraiment amusé. Puis en même temps, je dis ça, mais c'est même pas vraiment fini, parce que demain matin, très tôt, on part pour la vallée du Bras-du-Nord. Puis c'est pour ça que je suis ici. Je trouvais que c'était une place pas trop loin pour essayer d'être le premier sur le site demain. Et grâce à tout ça, ben, je découvre cette magnifique ville. En même temps, je vous dis quoi? Ben, je vous invite à liker, petit pouce bleu vers le haut, j'en veux plein, cliquez. Sinon, ben, vous me suivez. Demain est un autre jour et va être une autre aventure. Ciao, guys! À bientôt!